Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi oui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci pour la seule et unique récompense qu'on veut tous voir, en tout cas dont je veux voir ce que ça rapporte. Chasseur de primes, elle se nomme Chasseur de primes, elle n'a pas de nom particulier. J'ai oublié que ça n'avait pas de nom particulier, ces boucles. Gagner l'expérience dans le rôle de chasseur de primes. 10 000 XP supplémentaires par rapport à ce qui a été fait. On la vend. On va voir combien ça rapporte. 0,5. 100 $. 500 XP. Et j'imagine que c'est toujours la même chose. Alors c'est pas un truc de fou, mais c'est toujours ça. C'est ce qu'il faut se dire, c'est que c'est toujours ça. Bon, l'XP on s'en fout un peu, hein, clairement. Moi je m'en fous maintenant. Bah ça donne des cartes, tout ça, mais bon. Voilà quoi. Les cartes, c'est pas ce qui rapporte le plus, hein, clairement. Mais c'est toujours ça d'avoir 0,5 lingots. Après, à voir si ça augmente encore. Je le noterai dans les commentaires. Mais je pense que ça restera toujours à ce stade-là. 0,5, moi personnellement, ça fait toujours plaisir. C'est pas un truc énorme, mais au moins d'avoir mis ça, c'est sympathique. C'est vraiment sympathique de leur part. Et ce qui veut dire que pour les autres rôles, pour moi, ça ira au rentrant pour chacun des rôles. Mais comme j'avais dit, je ne veux pas que ça se passe d'affilée. Je ne veux pas que la prochaine mise à jour soit une extension de rôle. Ce serait pas mal que ça ne soit pas ça. Bref, on se retrouve pour de prochaines vidéos et au moins ça a pu vous informer sur quoi était la récompense. C'est déjà ça. Salut tout le monde!